Bonjour. Et oui, vous ne me voyez pas parce que je suis en tenue de randonneur hivernal à Aix-en-Provence. Je suis en train de monter le chemin de Minimus, si je fais attention à ce que je dis. Et je vais à direction Sainte-Victoire, le massif de Sainte-Victoire, où cet endroit est pour moi merveilleux. Sur beaucoup de plans, surtout au niveau ressources énergétiques, au niveau de trouver son calme, de retrouver un calme, une paix, et aussi de vous dire coucou. Voilà, il fait à peu près 7-8 degrés, ressenti 4-5, c'est sec, même s'il y a eu peut-être un peu de pluie, mais c'est un endroit merveilleux pour moi. Dès que je suis arrivé hier soir à Aix-en-Provence et que j'ai fait une petite balade nocturne pour retrouver mes repères tout en grignotant une petite pizza chaude, très chaude même, où je me suis assis près de cette cathédrale qui était fermée, mais c'était extraordinaire parce qu'il n'y avait aucune lumière, j'ai bien vérifié, quelqu'un jouait de l'orgue, des doubles, des deux orgues. Enfin, il y avait ce double, cet air qui était apaisant. Je me suis mis contre la porte, les grandes portes qui ne s'ouvrent pas en bois. Et ça m'a apaisé, ça m'a rassuré, ça m'a réchauffé. Et j'ai continué ma route, tranquillement. Je suis tellement bien ici. Mais voilà, c'est quelques jours de ressources pour continuer mes missions, mon travail, mais aussi mon apprentissage avec Nicolas, avec le groupe. Aussi de passer aussi mes connaissances de tout ce que j'ai fait, d'aïkidoka, d'anciens présidents d'associations, de gérants d'entreprise, d'informaticiens, de pairs. Exemple, hier, dans le TGV, des belles rencontres où normalement je n'aurais pas dû avoir ce TGV à Gare de Lyon car on avait 35 minutes de retard, ce qui faisait que c'était pratiquement impossible d'avoir ce TGV et donc j'ai aidé quelqu'un qui connaissait pas donc le métro et tout pour aller directement à cette gare pour son train qui était un peu plus tard et qui était, vu mon chemin et mon organisation, il était sûr de l'avoir. Et en restant sur le fait que j'allais certainement prendre le même TGV que lui, eh ben ça a été cool, mais assez rapide. Ce qui fait que on n'avait pas 35 mais 30 minutes de retard. Et ces 5 minutes ont fait la différence car tout s'est bien passé sur la 6 et la 14. Ce qui fait qu'en marchant un peu plus vite et en ayant eu la lettre de la voie du TGV grâce à l'application que j'avais, d'avoir été au bon endroit, c'est-à-dire l'ascenseur, d'être dans le hall 1 à 30 secondes près, parce qu'en plus c'était deux TGV dont un vide et il fallait aller en tête, à 30 secondes près je suis rentré dans le TGV et tout s'est fermé derrière moi. Et voilà, ce qui fait que j'ai pu rencontrer un papa avec un enfant de 4 ans qui a des traits autistiques, TDAH, HPI, mais bon, un blocage, on va dire, blocage, je pense, sur différents points, mais d'une intelligence, d'une gentillesse, d'un amour, d'une curiosité extraordinaire. Ce qui fait que le voyage, j'ai pratiquement pas vu passer. On a papoté, joué. Après, j'ai observé d'autres enfants, et après, une jeune femme seule avec sa petite, où je lui apprenais à marcher, on marchait ensemble dans le couloir du TGV. C'était très agréable parce qu'il a fallu que je fasse attention pour sortir avec Aix-en-Provence. Là, j'ai laissé à ce couple que j'avais remarqué avec un enfant assez pas mal, dynamique, où j'ai laissé le taxi pour eux parce que ça arrangeait le taxi, j'étais dans la même ronde et tout, et j'ai fait l'arrangement. Voilà. Ce qui fait que il y a eu un autre taxi qui m'a pris en charge aussitôt et tout s'est bien passé. L'appartement est génial, les sensations, le repos, le calme. Et là, j'ai pris ce matin un petit déjeuner panda gruel tic. Faites pas attention, c'est pas des Français.
Ouga Grand Ouest. Et je marche, ça fait déjà 40 minutes. Où là je fais attention parce qu'on grimpe bien, donc en parlant, ça donne le hockey, c'est pas très bien. Puis là je vais avoir le mal de mer, ça continue. Donc voilà, je monte tranquillement ce chemin très pentu où certains s'entraînent en courant. Tant mieux, moi je l'ai fait un peu à certains moments, mais pas aujourd'hui. Je préfère marcher tranquillement, ne pas me blesser. Et comme diraient certaines beaucoup de personnes, c'est je profite de la vue. Voilà, cette vue où je monte. On capte pas vraiment bien, donc c'est pour ça que j'enregistre. C'est magnifique. C'est l'entrée, on va dire, officielle à partir d'Aix-en-Provence, du vieux centre, où on passe devant le CNAM, un de ces premiers lieux très anciens, des anciennes bâtisses restaurées, où ça faisait un petit moment que je voyais Aix-en-Provence en travaux. Là, aujourd'hui, pas mal de choses sont finies, c'est très joli. C'est une ville extraordinaire. Culture, plaisir, du patrimoine, mais aussi musique atypique, quelques folies, quelques jeunesses, la tranquillité aussi quelque part, et des lieux de spiritualité assez importantes, d'écoute. Bon d'accord, il y a aussi beaucoup de magasins pour ceux qui aiment, hein. Vous pouvez, il y a les soldes. Bref, c'est face à un endroit merveilleux. Une petite ville qui est à la fois gigantesque pour moi, gigantesque sur plein de choses, et très heureux de la connaître, très heureux d'avoir été là en location pendant un an, comme j'ai pu, malgré les transports, malgré mes missions, mon travail, ma santé. Une ville merveilleuse, un endroit sain. Et je vais calculer les taux vibratoires d'Aix-en-Provence, mais aussi de Sainte-Victoire, selon certaines positions que je m'étais données, que je noterai sur le cahier pour voir. Voilà. Je vous dis à bientôt, car il va y avoir des suites de cette randonnée, de ces randonnées, où je pense qu'il y aura toujours quelque chose de surprenant ou d'intéressant à dire. Maintenant, est-ce que ça vous intéresse? Si vous allez jusqu'au bout de cette vidéo, à première vue, oui. Et si vous en redemandez, si vous recliquez, ça veut dire oui aussi. Allez, à très bientôt. Au revoir. Voilà l'eau du barrage des Nizola, où il y a un taux vibratoire de 20 500 000, France TV. Et au barrage de Bibéu, donc le grand barrage, le tout est identique. Donc je vous présente, il est un peu plus de 8h du matin. Je suis parti à 6h10 du centre d'Aix-en-Provence à pied, où je viens d'arriver depuis 2-3 minutes là, au barrage des Nizola. Regardez ce paysage magnifique. Il fait moins 2, moins 4, on est quand même en hiver, et c'est magnifique. C'est un spectacle, je m'en lasse pas, je peux vous le dire. À refaire tous les jours, bon d'accord, je repars demain, mais voilà, vous avez Sainte-Victoire, bon il y a la petite barrière, mais voilà, l'eau, calme. Là au niveau des énergies, au niveau de se ressourcer, même de méditer, même quelques minutes ou plusieurs, enfin une demi-heure, une heure, vous êtes une autre personne, nettoyée, recentrée, là ancrée, je pense à toi Nicolas, ancrée et centrée, donc voilà, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Écoutez, je vais me taire.
matinale qui se lève. Voici dans quelques instants le panorama que j'adore de Sainte-Victoire quand on arrive à Bibémus, aux portes de Bibémus, aux portes du massif de Sainte-Victoire. Je fais très attention. Donc là, dans quelques instants, il y a un peu, il y a la brume, c'est l'hiver. Et dans quelques instants, si je ne me casse pas la binette, voilà, je vais vous montrer, si vous voyez bien, voilà, voilà, c'est le barrage de Zola, de Mizola, donc qui est en contrebas. Donc moi je vais faire le grand tour, puisqu'on est dimanche, pour arriver par derrière, pour cet après-midi, d'arriver à ce point-là. Donc ça c'est mon objectif de la journée. Voici le massif de Sainte-Victoire, la végétation de la Provence, l'hiver provençal, le vent, vous pouvez voir ça secoue, vous entendez peut-être même qu'il se lève plus ou moins. Voilà, c'est génial, c'est magnifique, moi je me sens très très bien, on va éviter d'attraper aussi la crève. Voilà, et là regardez ce petit clin d'œil. Voilà ce qui me fait toujours plaisir à voir. C'est magnifique. Je vous présente. Voilà. Je vous ferai partager. Thank you.